This starts with a violent end. It's Clash of the Titans, then the sky collapse and I relax the abstract. Nah, motherfucker, when I silence them. I'm soon to back, I'm soon to snap and view you rap humans as stupid. Eh bien, salut tout le monde, c'est Tic Tac. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première Spec Ops du week-end en ce 27 septembre sur ma chaîne. Donc, j'espère que ce petit concept va vous plaire. Donc, on va partir directement en opération spéciale. Et comme Spec Ops, eh bien, bien évidemment, j'ai décidé de prendre Stay Sharp, donc Vigilance en français. C'est une opération spéciale que tout le monde apprécie, que tout le monde a au moins fait une fois dans sa vie. Donc, voilà, je pense que c'est pas mal pour commencer cette Spec Ops du week-end. Alors, au début de cette opération spéciale, pardon. Il y aura un grand choix d'armes donc dans l'arsenal. Donc il y aura le AK-47, le M4A1, le P99, le M16, le Desert Eagle, le MP412, le USP45 et le AK-74U qui offrent une fluidité dans le rush et bien sûr une bonne précision. Pour les joueurs qui sont un peu invétérés, donc il faudra prendre le P99 qui offre aussi une belle précision et qui n'a pas trop de recul. Donc pour commencer cette Spec Ops, il est pas mal. Voilà. Et moi, pour ce rush, bien évidemment, je vais prendre le AK-74U. Donc, sur ce rush, il faut essayer d'économiser ses balles. Voilà. Si vous avez le AK-74, je vous conseille d'économiser vos balles en visant les ennemis. Et si vous avez un P99, voilà, une balle suffit. Étant donné que le recul et la précision qu'offre cette arme, eh bien, ça va être très simple. Donc, voilà, je pense que j'ai bien expliqué. Donc, petit conseil aussi. Je vous conseille une sensibilité qui est de 8 ou 9, mais si vous voulez descendre votre sensibilité, c'est à votre choix. Mais voilà, si vous prenez une sensibilité à 6, votre fluidité ne va pas être parfaite. Voilà, le temps d'accompagnement de gauche à droite va être vraiment limité. Donc voilà, on n'est pas en mode Gotaga, on est vraiment en mode tic-tac, où il faut vraiment avoir une belle fluidité dans son accompagnement. Voilà. Je pense que j'ai tout expliqué. Donc, il faudra essayer de faire en dessous de 20 secondes. Je pense que tout le monde peut réussir à faire 20 secondes. Voilà. Je pense que pas mal de gens vont faire entre 21 et 20 secondes. Pourquoi j'impose 20 secondes? C'est pour que tout le monde recommence cette opération spéciale. Pour voilà, qu'il y a beaucoup de monde qui essaye de faire en dessous de 20 secondes. Donc, ça serait vraiment pas mal que pas mal d'abonnés essayent cette Spec Ops du week-end. Donc, voilà. Vous pouvez rejoindre ma page Facebook pour noter votre record. Voilà. Donc ça commence du vendredi soir au dimanche midi. Donc voilà, à midi, je ne prends plus les records et je ne prendrai plus les vidéos. Voilà, pour bien sûr que je fasse le montage en une ou deux heures. Et voilà, le dimanche soir, je uploaderai la vidéo du résultat. Alors comment participer? Eh bien, comme je l'ai dit, il faut faire en dessous de 20 secondes. Il faut essayer de filmer votre gameplay avec un HDPV, un Elgato, un Pokédex, un Dazzle, appareil photo ou caméscope. Voilà, vous prenez ce que vous voulez, mais il faut essayer d'avoir une belle fluidité, une belle image et bien sûr que la vidéo soit bien cadrée. Donc vous m'envoyez tous vos gameplays sur Facebook, par message YouTube ou sur le Xbox Live en disant le nom de votre vidéo, etc. Voilà. Je pense que vous pouvez me joindre assez facilement, étant donné que je suis souvent connecté. Mais voilà, vous pouvez rejoindre ma page Facebook Tic Tac HD. Pour que vous mettiez en fait votre record, voilà, j'ai fait 19.1. Est-ce que c'est le top 3 du défi du week-end? Donc voilà. Donc il y aura 3 gagnants. Non, on va dire 4 gagnants. Donc 3 gagnants. Par exemple, il y en a un qui va faire 19.7, 19.8 et 19.9. Donc voilà, ce sera les 3 gagnants. Et le quatrième, pour ceux qui ne peuvent pas filmer, mais essayez de prendre une photo quand même. Donc voilà, je verrai un peu ce que je peux faire. Donc je mettrai vraiment tout dans la description, dans la barre d'infos, pour que vous compreniez un peu mieux l'aspect cop du week-end. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je vais quand même faire le gameplay. Voilà. Donc je vais partir sur un gameplay très très simple pour que tout le monde regarde un peu la technique. Merde, j'ai loupé un ennemi. Dernièrement sur ma chaîne YouTube, j'ai mis un très beau record sur cette opération spéciale qui est de 17.7. J'ai vraiment fait un très beau run. Donc, ça faisait quand même 2 semaines que j'étais sur cette opération spéciale, donc ça m'a fait plaisir quand j'ai fait le record. Voilà. Donc voilà, je pars vraiment sur un 27.6. Donc voilà, j'espère que ce petit concept, je perds un peu mes mots, va vous plaire. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Et je vous dis à samedi pour mon
deuxième montage en opérant spécial que je vais tenter d'envoyer à Code QG. Donc j'espère que vous aurez bien compris ce concept, ce qui n'est vraiment pas évident à expliquer. Donc moi je vous dis à plus les gens, profitez bien de votre week-end. Ciao, bye bye.